Bonsoir. C'est un peu lourd ce que je vais vous dire. C'est pas douloureux, c'est lourd. Ok? Vous avez été victime d'un système. Un système qui n'a pas joué en votre faveur. Un système qui vous a fait croire que vous n'êtes rien. Un système. Vous savez comment le système traite les femmes? % de vos préoccupations. Je vais passer ces préoccupations en revue. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Il me faut me marier. Quand tous les hommes viennent dans ma vie, ils partent. Il m'a laissé avec les enfants, je ne peux rien faire. On vous a scammé. On vous a scammé. It was a scam. Pourquoi à chaque fois que tu sors d'une relation, en tant que femme, tu te sens plus forte? Pourquoi? Je vous mets juste de simples faits aujourd'hui. I'm just quoting simple facts. C'est comme si ceux qui ont régulé notre société se sont assis. Ils ont vu que les femmes ne doivent pas connaître qui elles sont. Les femmes ne doivent pas savoir. Et c'était même là, la Bible nous a montré depuis longtemps. Marie a conçu sans personne. Marie a conçu, Jésus n'était pas là. Joseph n'était pas là. On vous a scammé. Vous avez été victime d'un scam. Tu as besoin d'un homme pour vivre. Comme ça, tu te maries, tu fais tes quelques enfants. Femme mariée, s'abstenir de regarder mon direct aujourd'hui. Pourquoi, quand tu te retrouves seule, tu accomplis plus de choses? Quand tu te mets en relation, en tant que femme, je parle aux femmes. Quand tu te mets en relation, observe la vitesse de ton énergie. Tu es là, tu es célibataire. Au meilleur moment de ta vie, tout ce qui est dans ta tête, est-ce que le chocolat là, est bon? Voilà un bon pain, hein. Il peut. Marie a conçu seule. Les femmes ont besoin des hommes, mais l'inverse. Les hommes ont besoin des femmes, mais l'inverse, non. Beaucoup de femmes, vous portez vos hommes sur votre dos. Si vous vous séparez, ta vie va avancer. L'homme là, sa vie ne va pas avancer. Parce que vous n'aimez pas la vérité. La majorité des mariages, parce qu'elles ne sont pas honnêtes,
Chacune supporte seulement son mari. Elle est la secrétaire de l'homme. Elle est la mère de l'homme. Pourquoi on a endoctriné les femmes autant? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? On est né dans ça. À l'église, la femme ne peut pas prêcher. Au village, la femme ne peut même pas manger le gésier de la poule. La femme ne peut pas. Qu'est-ce qu'on a? Combien de choses on a dit que les femmes ne peuvent pas faire? Une femme ne peut pas tenir une maison seule. Le truc, c'est que la femme peut facilement être femme et homme. Elle peut mélanger énergie masculine et énergie féminine. Elle jongle les deux. C'est selon la nature. Maintenant, l'homme se pointe. Où est ta bague? Tu as besoin d'un homme dans ta vie? Mais comment tu fais toute seule? On casse ton moral. Vous savez combien de femmes sont bloquées? Combien de destinées féminines sont bloquées? Fais-moi mes enfants. Je suis sorti avec elle une fois. Tu n'apportes rien dans ma vie. Tu veux que j'arrête mes activités pour te faire l'enfant? Tu es fou. Donc tu es au restaurant, tu commandes ce que tu veux. Tu ne payes même pas. Je veux que tu me fasses mes enfants. Je veux que tu me fasses mes enfants. Qui a programmé ça dans la tête des gens? Ah, tu es quel genre de femme? Tu es trop dure. Le rôle de la femme, c'est faire les enfants. Tu es couché, on vient de te faire la césarienne. Ton ventre, tu as mal. Tu rentres à la maison, l'enfant, il est couché devant la télé. Tu te lèves avec la blessure qui fait mal. Tu pars, tu prépares. Si vous stressez vos filles, si demain là, tu stresses ta fille, que va accoucher, va demain. Ce que tu ne connais pas toi-même, ce que tu as traversé. Je suis là seulement pour les enfants. Tu sais combien de femmes sont mortes de crise d'hypertension? Tente de dire que tu peux concevoir mais que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tente un peu de dire ça. Tente un peu de dire que tu poursuis ta carrière. L'opportunité que ton mari a eu là, si on te donnait ça, tu allais maximiser ça fois mille. Si vous étiez assis dans le foyer, au lieu de le faire partir en bain, c'était toi qu'on envoyait. Tu allais maximiser les choses. Il y en a parmi vous que si c'était vous qu'on envoyait en Europe. Oh. Il est parti tourner là-bas depuis 10 ans. Vous étiez entendu qu'il arrive à plus prendre les enfants. Vos enfants sont où? Un jour, une femme vient à Douala me voir pour la consultation. Actuellement, je suis à Abidjan. Ne me demandez pas que je suis où. Elle dit vraiment, je ne sais pas comment. Quitte avec vos questions, mais comment connaître son destin? Ne parle pas. Okay. Pardon, qui tu m'en dirais? Qui tu m'en dirais? Comment connaître son destin? Juste que tu es bloqué dans un foyer là-bas. Tu as préparé le goussou sauce gombo. Tu l'as mangé. Tu vas le connaître son destin.
L'homme l'a épousé, il a pris, il a amené dans leur concession familiale. Il n'a même pas de maison. Il a mis dans une des maisons que son père a construite. Il dit que reste ici là. Elle reste. Deux, trois ans plus tard, ou quatre ans, je pense. Il a eu une opportunité de partir aux États-Unis. Il est parti. La seule chose que l'homme avait fait dans la vie de la femme, là, c'est qu'il a laissé dans un endroit où elle ne payait pas le loyer. Envoyer même l'argent pour que les trois enfants mangent, c'était difficile. Elle est restée bagarre avec la belle famille tellement. Il s'est marié légalement. Elle dit que ça fait 8 ans qu'il n'est pas venu. 8 ans qu'elle souffre avec les enfants. 8 ans qu'elle s'en sort, bien sûr, parce qu'elle était devant moi, elle était en vie, elle avait payé la consultation. Donc, elle a trouvé, je lui ai dit que si tu as trouvé l'argent pour payer, venez me voir, mamie. Tu penses même que tu es petite. Tu te simplifies pourquoi? Parfois, quand elle parle comme ça, ça m'énerve. Je mets les poumons sur vous. Je mets les organes sur vous. Parce que vous m'énervez. Nothing past God. Don't salue me. Ne me salue pas aujourd'hui. Je suis fâchée. Elle dit qu'elle est tombée sur une opportunité de faire ses papiers partir au Canada. Et vous connaissez que pour aller au Canada, si tu es marié avec quelqu'un, la loi canadienne, il ne blague pas là-dessus. On dit que tant que tu n'as pas l'autorisation de ton mari, tu ne bouges pas. Le monsieur est arrivé là-bas, commençait à lui faire les petits vélos. N'envoie jamais l'argent pour les enfants. Il se met dans telle relation, il lui manque. Ça ne marche plus. Après, pas encore dans l'autre part, il se met, ça ne marche plus. Elle dit, signe le papier, je pars avec les enfants au Canada. Ça fait 8 ans ou c'est 10 ans que tu es parti. Signe le divorce, je pars avec les enfants au Canada. Hey, nothing past God. Bye bye. Hey, qui est? Attends, te bloque. Mais ne pas m'embêter. Quand il fait faire mes directs, ça ne me dérange pas. What is wrong? J'ai besoin de ton commentaire. T'as porté le direct, pardon. Elle dit qu'elle a marché chez un procureur ou un greffier là. Marché chaque jour, il lui dit que maman, là où tu es là, là où tu es bloqué. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a falsifié les documents pour faire la signature de son mari. Elle a falsifié la signature de son mari. Elle m'a dit que je vais te dire la vérité, j'ai falsifié. Elle a falsifié. Et elle dit que c'est le genre donc qu'il peut te bloquer au pays 20 ans. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Elle dit qu'il te bloque comme ça là parce qu'il sait que si les pieds de sa femme touchent au Canada, si les pieds de sa femme touchent le Canada, ce que lui n'a pas pu faire en 10 ans, elle va faire ça en 3 mois. Voilà la raison pour laquelle il a bloqué au Cameroun. Est-ce qu'on peut mettre méchant comme ça? Elle dit, non, tu sais, j'ai peur que... Elle dit, tu as peur de quoi? Quelqu'un est venu prendre 10 ans de ta vie, il t'épouse, il te laisse au Cameroun, il part aux États-Unis. Et vous connaissez les femmes, là, souvent fidèles comme tout. Celui qui en 10 ans, là-bas, un homme là-bas touché. J'attends mon mari. Quand tu vis chez ta belle famille, tu peux faire quoi? Hey! Parmi vous, que si Dieu te donnait le un quart de la chance que certains hommes ont eu, combien de fois vous vous êtes sacrifié? Il y a une autre jour comme ça, sa soeur me disait qu'elle a fait les papiers de son gars.
Il s'est marié avec une, ils ont trouvé une autre personne. Il s'est marié avec elle pour partir au Canada. Les dettes. Tous les jours, ils sont une autre dette. Tous les jours, on vient se plaindre dans sa vente. Ton mari a pris l'argent et il n'a pas remboursé. C'est toujours elle. C'est toujours elle qui rembourse. Quand tu trouves un petit business, tu donnes à la femme, elle multiplie ton business. Tu conçois la femme, l'enfant avec la femme, tu lui laisses l'enfant, tu pars. Tu fais 10 ans, tu reviens, elle te donne un jeune homme. Il va relancer le direct sur TikTok. Ça bug, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais changer la connexion que j'ai. Ça bug toujours. J'ai connu une jeune fille comme ça. Elle a eu un coup de foudre avec un gars. Coup de foudre qu'un pian. Il est enceinte. Une connexion ici là. C'est le téléphone, c'est qui bug en fait. Je crois que c'est le téléphone. Ah, voici mon live encore bugué. Là, vous me suivez. Vous avez demandé tout à l'heure combien de fois vous êtes entré dans la vie d'un homme. Vous voyez comment ces choses fleurissent. Combien de fois? La femme a une énergie qui... fait fleurir les choses. La femme est comme une terre, elle est comme la terre. La femme est comme la terre. C'est la femme qui donne la puissance à l'homme. Côté énergie, si vous savez combien d'énergie vos hommes, votre homme là vous prend. Dorian, dirait une lumière. Si vous savez combien d'énergie votre homme vous prend, seulement pour le fait qu'il prend son téléphone. Écoutez, ça doit être un privilège pour un homme de te parler. Écoutez-moi bien. Ça doit être un privilège pour qu'un homme finisse sa journée. Il prend le téléphone. Il dit, Dorian, je suis allé à tel endroit, ça fait comme ça. Je suis allé à tel endroit. Ou bien que le matin, il te dit, Dorian, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je ne fais que vous dire ça depuis. Combien d'hommes vous avez pris avec votre énergie? Parfois, tu le prends comme ça, tu parles, les paroles que tu donnes sur lui, les mots que tu donnes sur lui,
Ça va marcher, tu vas bientôt finir ton chantier. Ah, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Il dit que je n'ai pas dormi la nuit, mon œil me fait mal. Tu dis, oh, ça va aller. Ça va aller, ne t'en fais pas. Ça va aller, hein. Seulement les paroles là. Seulement ça. J'ai parlé avec une autre une fois, elle me dit, j'ai rencontré un anglo ici là comme ça. Quand elle est rencontrée, il n'avait pas de papier. Il était mince comme ça. Pas de boulot. Je le prends, je lui parle. Je le stabilise d'abord mentalement. Je prends ses détails. Je fais son CV. Je fais son CV, j'envoie. Il trouve le boulot. Faites attention aux gens que vous soulevez avec votre énergie. Je vous ai dit que j'ai commencé à évoluer. Le jour où je me suis assise, j'ai dit que je ne suis plus ici pour faire monter un homme. Je ne suis plus ici. Je ne prie plus pour quelqu'un. Je ne prie plus pour quelqu'un. Je ne motive plus personne. Quand le gars a eu le boulot, il faut voir commencer à voir le mépris qu'il commence à lui faire. Puisqu'il reste 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, l'argent entre. Il peut déjà rester comme ça, il n'a pas de souci. Il ne sait pas que l'énergie de la femme est. C'est une énergie que. Un peu comme l'arbre. L'arbre pousse. Ça arrive à 2 ans. Ça ne peut pas encore produire de fruits. Après, ça pousse 4 ans. La première année de production de fruits de l'arbre, ce n'est pas la même chose que la 5e année. Après, tu vas venir couper certains endroits pour que ça pousse encore. La femme, on t'a menti sur qui tu es. Te voilà en train de douter de toi. Aujourd'hui, je suis restant ça, je pensais à un ex que j'ai eu en 2019. Et avant lui, j'avais eu un autre. Je mettais le gars là devant le miroir comme ça là. Je lui dis, répète après moi, je suis puissant, je suis fort, je suis courageux, je peux. Chaque jour, je l'encourage. Je déposais en lui. J'étais en train de faire mûrir cet homme-là. Je construisais son image intérieure. Souvent, tu vois un homme, il est beau. Il n'est pas osé aller faire quelque chose. Il n'est pas même pas osé demander l'argent à ses clients. Parce qu'il doute de lui. TikTok, est-ce que vous me suivez? Dis-moi si vous me suivez. Si vous suivez, c'est bien. Parce qu'il voit que vous ne t'apportez pas. Il arrête comme ça. J'arrête là-bas et pas moi sur Facebook. Il voit que c'est Facebook qui m'écoute aujourd'hui. Donc vous suivez, vous ne t'apportez pas. Attendez, j'arrête le direct, vous voyez. Je vais fermer Facebook. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Aïe, je viens ici les donner mes encouragements gratuits. Attendez, coupe le direct, vous voyez. Vous allez me connaître aujourd'hui. Tu prends l'homme. Tu lui parles. Qu'est-ce que je ne disais pas à l'homme là? Qu'est-ce que je ne disais pas à l'homme là? Hey! Après, il reste comme s'il commence à avoir 5000 euros le mois. Ils ont dit que non, je vais acheter la Range Rover. Je vais acheter ça. Il commence à changer. Je lui montre qu'on peut faire tel business. On peut faire ça. Tu vois, souvent quand tu as quelqu'un qui doute de lui, quand il prend l'argent, non. Il vise justement que je vais aller acheter une paire de chaussures. Tu lui dis que non. Prends l'argent là. Tu vois, non, tu peux faire l'immeuble. On peut chercher un immeuble, on achète. Tu mets les idées faramineuses dans sa tête. Faramineuses. Hein? Eh. Wow.
Maman. Après le monsieur, quand l'argent commence à entrer un peu un genre là, tu entends seulement qu'il a une tisa au pays. J'ai dit que moi-même, je vais prendre mon énergie. Moi-même, je vais prendre mon énergie. Hein? Comme c'était de l'eau, je vais verser sur ma tête. Et c'est ce que tu dois commencer à faire. C'est ce que tu dois commencer à faire. Je ne pense pas que Dieu a pris Adam, a sorti Ève d'Adam. Hein. Voici comment ils nous ont fait pour bousiller notre mental à la création. Voilà comment ils ont bousillé notre mental à la création. Pour bousiller ton mental, on te dit que la femme est sortie de l'homme. Si la femme est sortie de l'homme, pourquoi aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes qui accouchent? Réfléchissez, s'il vous plaît. Si Dieu a pris la côte de l'homme pour aller fabriquer la femme, donc ils sont en train de nous dire indirectement que la femme est sortie de l'homme. Pourquoi pour répéter le processus, il n'a pas fait la même chose que l'homme accouche? Hein? Pourquoi pour que Jésus vienne? On est parti plutôt prendre la femme. Elle a créé l'homme seul. Réfléchissez, s'il vous plaît. Déprogrammez-vous de l'endoctrinement dans lequel on vous a mis dans la société. Oh, la femme est censée se soumettre. Vraiment, tu te soumets à quoi? Est-ce que tu peux suivre quelqu'un qui ne sait pas là où il part? L'accord entre un conducteur et un passager, c'est que le passager va dire que je suis en train de partir à tel endroit. Est-ce que tu pars là-bas? S'il dit oui, toi tu dis que ok, je vais payer tel prix. Il dit oui, tu dis oui. Tu entres, vous partez. Beaucoup d'entre vous, vous suivez des hommes qui ne savent pas là où ils partent. Toi, la femme, tu connais depuis. Ça fait 5 ans que tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Ça fait 5 ans que tu travailles sur ta mission. Pourquoi on te demande de laisser ça pour aller suivre quelqu'un qui sait? Tu es en train de courir au désastre. Tu cours à ta perdition. Vous savez combien de femmes ont fait ces erreurs-là? Les erreurs qui vous ont coûté des 10 ans de mariage. 3 des enfants que tu as conçus. Tu les as fait avec 2 hommes que tu savais que vous ne devez, la relation n'aurait même pas dû être. Dès le premier jour, tu ne t'es pas écouté. Toute ton énergie vitale, ça sort de toi, ça fait les enfants. Ça sort de toi, ça peut l'aider pour faire son business. Ça sort de toi, faire sa nourriture. Ça sort de toi pour le satisfaire. Ça sort de toi. Waouh! Voilà la raison pour laquelle vous êtes vide. Avant, tu te levais, tu disais que je fais telle chose. Tu pars, tu fais. Il y a cela 10 ans quand tu voulais faire le sport, tu te levais, la volonté était là. On ne t'avait pas vidé. Je sais que vous m'écoutez, vous êtes dans les foyers là, non. Restez toujours là-bas dedans. Restez. Restez. La femme peut survivre sans l'homme. Survivre, grandir, se multiplier. Même la femme, on dit que Dieu a dit que la femme doit être l'aide de l'homme. Tu aides quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Hein? Tu aides quelqu'un que c'est toi qui fais tout. Et le truc, c'est que votre esprit vous parle. Votre esprit vous parle. Tu sens que c'est toi qui donnes toute l'énergie dans la relation là. Parfois tu es dans un service, tes collègues sont les hommes, tu prends tout sur toi, c'est toi qui produis tout le travail. J'ai une de mes petites comme ça.
Elle s'est retrouvée dans une relation avec un gars que... Lui, les trucs spirituels, il va voir, il va faire comme s'il fait, mais il ne fait pas. Et la fille a la foi. La fille a la foi. Je sais que je vais commencer comment vous dire à la fille que si tu te mets dans la relation jusqu'à comme tu es dedans, jusqu'à tu te maries, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Quand elle dit que je me donne pour objectif, que j'ai besoin, je vais acheter telle chose, elle va attirer l'argent de ça et elle va faire. Il est toujours là, il dit non. Non, il faut d'abord te... Non, tu... il faut d'abord attendre. Non, tu vas te reconnaître, ma chérie. Mais c'est un truc que tu fais quand tu as déjà atteint un niveau où tu n'as plus besoin de l'opinion des gens. Où tu vas supporter le fait qu'on dise que... Oh, elle a eu 2 enfants avec 2 hommes. Elle n'est pas mariée. Pourquoi les gens qui viennent, ils disent qu'ils veulent t'humilier là? Pourquoi ils t'ont jamais dit... Oh, elle a une grosse voiture. Ou bien pourquoi tu n'as jamais te dire que poursuis la grosse voiture. Ma chérie, ton enfant, ton premier enfant a déjà 4 ans. Pourquoi tu n'as pas encore une grosse voiture? On va venir plutôt te dire que cherche l'homme, tu fais encore le deuxième, non? Comme ça, tu es chez ta mère, tu galères. L'homme vient, il suce. Il dépose l'enfant. Il part. Il y a une autre comme ça, elle m'a dit qu'elle a eu l'enfant. C'est quand l'enfant a 7 ans. Et le monsieur est parti ailleurs, il n'a pas pu avoir d'enfant. Il revient. Oui, c'est moi ton seul et unique amour. On a encore quoi à parler ensemble? On a quoi à se dire? Et comme tu ne connais pas qui tu es, comme tu ne connais pas qui tu es, je suis mariée la première fois. Selon ce que j'entendais, les gens disaient, je crois que quand elle veut me marier, c'est comme si je validais le jeu de Super Mario. Non. J'ai fini. On fait la cérémonie, après on rentre à la maison, lune de miel. Je dis que, ok. C'était le scam. On m'avait scammé. On m'a fait le 419. On m'a fait le 419. Scammer. Je vois, il vient le bébé. Ah, papa, je me lève le matin, je ne peux pas sa nourriture. Midi, tiens, hey. Il dit que papa, I didn't sign up for this. Il n'est pas moi signé pour l'autre aussi. Hey. Tu commences à réfléchir, la honte. Mais tu as honte, mais tu as une grosse voiture avec tes grands immeubles. Le genre de honte là, tu mets les lunettes solaires, tu es dans ta voiture fumée. Qui va t'approcher pour avoir... Et ils vont bavarder derrière toi. Quand tu vas arriver, ils vont venir prendre ce que tu as. C'est fou quand même, hein. C'est rare pour quelqu'un de refuser la nourriture. Voilà Noël. C'est rare pour tes décepticons, les gens qui te détestent là. C'est rare pour eux de dire, ah, on ne veut pas. On ne veut pas ta nourriture plantée que tu as apportée. Laissez-les parler. Quand on parle de toi et tu mendies encore, ça fait mal. C'est grave. Quand on parle de toi et on vient mendier chez toi, ma chérie, tu connais, mais tu t'en fous. Bon entendeur. Quand on parle, vous n'aimez pas entendre là. Je veux que tu vas remercier Dieu d'être tombé sur moi dans ce moment de ta vie. Aïe, 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 aïe. Quand il fallait que je déprogramme mon esprit, avant, je pensais que j'ai besoin d'un baby father pour m'occuper de mon enfant. C'est comme ça que baby father me menaçait toujours tout le temps. Oh non. Hop. Qu'est-ce que baby father ne me faisait pas comme chantage? Un jour, je me suis levée.
Je crois que c'est même un ami ou un ex qui m'avait dit que s'il était mort, tu allais faire comment? S'il était mort, j'ai pris ma liberté. C'est là que j'ai vu le vrai visage de Bibi Fada. Oui, l'ange du cœur, tu as bien dit. Là, tu as vu le visage de Baby Fada. Mince. Vrai visage. Qui commence à me faire les bas. Maintenant tu crois que tu es arrivé, hein? Je vais voir jusqu'où tu vas arriver. Il dit waouh, waouh, ok, j'ai fait le cas qui part. Quand elle manquait quelque chose, mais attends, j'ai considéré que si je suis seule, je faisais comment? What if I was alone? Si j'étais seule. Hein? Ah. Je me suis libérée de la domination coloniale. On a dit comme ça. Est-ce que vous doutez de vous? Vous ne savez pas ce que vous portez. Je ne sais pas que tu peux t'en sortir dans toute situation. Tu peux t'en sortir dans n'importe quelle situation. Même si tu as 6 enfants. Même si c'est 10 enfants que tu as. On t'a menti. On t'a menti. Et voilà, tu attends. Tu n'es pas sûr. Waouh. Reprends ton pouvoir. Tu ne vas pas mourir. On cherchait les orphelinats aujourd'hui. On est tombé sur un orphelinat à Yaoundé et le directeur de l'orphelinat disait que il a commencé la création, il a lancé l'orphelinat avec 12 personnes. Tous les 12 ont désisté. Et son orphelinat est là, c'est en santé. Les enfants sont là. Son orphelinat est là. Il y a des gens que quand ils lâchent le bord, ils lâchent votre bateau. C'est pour le bon, it's for good. Ce n'est pas pour le mauvais. C'est pour le meilleur, ce n'est pas pour le pire. Tu as la puissance en toi. Souvent quand je consulte, je vois une femme qui stresse. Mon mari est riche. Vraiment, qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui? Je dis que ce n'est pas mon domaine là-bas, mamie. Parce que tout ce qui attaque ton énergie, même s'il va te donner de l'argent en échange, je ne suis pas moi dedans. Je ne suis pas dedans. Je vous dis, moi, cash. Comment les femmes se négligent aujourd'hui? Tu peux créer, tu attires les clients.
Tu travailles, tu cotises l'argent pour investir sur ton business. Tu apprends à économiser l'argent toi-même. Quand tu avais lui, dès que l'argent entre un peu, il a dépensé. Dès que l'argent entre un peu, il a dépensé. Dès que ça entre un peu, il a dépensé. On vous donne le même poste. En un an, tu économises 50 millions. En un an, il revient avec les dettes de 10 millions. Même salaire. Hey. Oh yes, patience. Tu as bien dit ça. C'est que parfois, tu sais que les femmes sont, ont la compassion et l'émotion. Et j'ai une de mes filles, son gars a rompu avec elle par message WhatsApp que c'est fini. Il finit de rompre avec elle, la bloque. Il n'attend même pas qu'elle se justifie. Quelqu'un avec qui avait des projets. Ils étaient ensemble depuis, ils avaient des projets qu'ils voulaient concrétiser. Du jour au lendemain, il la lâche comme ça là. Elle reste comme ça. Sans devant ni derrière. Elle s'est relevée. En tout cas, chaque soir, elle est dans mes directs. Il la rappelle un jour. On peut se voir, j'arrive bientôt. Je lui ai dit que même dans le rêve du cauchemar, ou le cauchemar du rêve, que tes émotions ne fassent pas comme ça là. En tout cas, tu crois que... Sûrement, il est parti, il a fait tel que moi. Il manquait maintenant de motivation, il n'y avait plus personne pour le motiver. Il n'y avait plus d'énergie pour le porter. Il vient, il a maintenant besoin de toi. Vous ne savez pas ce que ces gens-là puisent dans vous. Il y a même les gens qui, seulement pour le simple fait qu'il sait qu'il va t'appeler, il va se fâcher avec toi. Il va te mal te parler. Hein, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Hein? Il raccroche. Brac. Tu commences à pleurer. Maman, he's dumping his shit on you. Il est en train de verser sa merde sur toi. Tu pleures, tu pleures. Il va dehors, il passe du bon temps avec une autre femme. Il te trompe. Tu découvres. Mamie, il a passé ses heures au téléphone là-bas. Il était à l'aise. Il était à l'aise. Ne crois pas à ces bêtises qu'il vient de faire que j'étais triste là. Il n'était pas triste. S'il est parti faire le chocolat là, il a bien fait. Oui, il est bon parleur. S'il est parti pour manger le chocolat, il a bien mangé. Ça lui a bien plu. Et la compensation énergétique, c'est que quand tu apprends ça, il y a des hommes que quand ils te voient pleurer parce qu'il t'a trompé, ça lui plaît. N'essaye pas de ma chose seule. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Regarde. Je t'aimais. C'est qui qu'on sait ici? C'est qui? Jessica, c'est qui? Jessica, c'est qui? Tu passes 3 jours. Tu es comme ça. Il sait que tu es triste ou fâché. Appelle ça ce que tu veux. Il sort le matin. Il revient le soir. Tu es toujours fâché. Et tire son énergie de la tristesse que tu affiches. Il fallait un peu tenter, tu découvres qu'il y a Jessica. En voyant que tu as derrière ton appartement pour aller même rester là. Tu ne te fâches pas, tu ne le grondes pas, tu ne... No tantrum, nothing. Pas de colère. Mais tu vas venir te demander que donc je ne signifie rien pour toi. Il y a les gens, quand ils sortent de ta vie, ils voient que tu vas bien. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Hey, which can thing be this now?
Il te parle mal, il est content. Il te gronde. J'ai ma nièce une fois qui est ma cousine. C'est que sur le genre de famille, on dit que aucune femme ne se marie. N'est-ce pas? Elle sort, elle dit que non, je suis votre plus pauvre petite soeur. Je suis en train de me marier. Maman, je devais vous donner une petite aide pour le mariage. C'était l'année passée. Elle vient. Je lui avais dit que bon, j'ai essayé de conseiller parce qu'elle vu comment ma famille voulait gâter son mariage. J'ai appelé la fille. J'ai dit que viens dans mon bureau, je vais parler avec toi. Et aussi en même temps, j'allais de ma part de participation pour faire le mariage. Elle arrive. Quand elle est arrivée dans mon bureau, je recevais les gens dehors, donc j'ai un peu duré. On m'a dit, j'ai peut-être fait une heure de temps. Après ça, quand je viens dans mon bureau pour qu'elle et moi parle, on commence à parler, son mari appelle, son fiancé appelle. Tu es où? Hein? Pourquoi tu dures comme ça? On est en train de t'attendre, non? Hein? Il a donné les ultimatums devant moi à 3 jours de leur mariage. Je suis restée comme ça. Il dit waouh. Il n'aime pas parler. Il n'aime pas m'en parler. Déjà là, tu dis quoi? Tu dis que quoi à l'enfant? Il y a des hommes comme ça. Ils cherchent à te nuire. Et c'est fou comment l'homme n'aime pas voir que tu avances. Quand la femme se sépare de l'homme, elle va essayer de t'oublier, elle ne va pas checker ta vie. L'homme là, il ne veut pas ça. Et s'il a les enfants avec toi? Toi, tu ne demandes rien sur sa vie quand les enfants viennent. Mais quand l'enfant part chez lui, il faut qu'il te pose les questions à l'enfant. À une période de ma vie avec l'enfant, moi, j'ai coupé totalement. J'ai coupé tout. Quand elle partait là-bas, elle fait quoi? Elle est où? Elle, c'est quoi? Je ne sais, je ne sais pas savoir ta vie. Tu veux savoir ma part pourquoi? Il y a des personnes qui attendent que tu reviennes vers eux demander. Que tu reviennes en rampant. Écoute, que ton désir de réussir soit ton carburant. Comment dit qu'on manque le carburant au pays là? Que ça devienne ton carburant. Je ne retournerai jamais demander quelque chose à cet homme-là. Ça fait tu bosses, tu bosses, tu mets l'argent de côté. Tu bosses, tu bosses, tu mets l'argent de côté. Tu bosses, tu achètes, tu paies ton terrain, tu construis, tu mets des trucs en location. Oh. Blaguez pas. La partie qui veut que ça entre dans ton esprit ce soir, tu es plus puissante que cet homme-là. Ouvre bien tes oreilles. J'ai dit que quoi? J'ai des ex qui, à l'époque quand j'étais avec eux, à l'époque quand j'étais avec eux, il n'avait pas. Mais quand il voyait ce qu'il avait, je savais qu'un jour, je vais te dépasser. Je savais.
Et comme ces gens ne peuvent jamais accepter la source de leur onction ou bien de leur je ne sais pas quoi, il y a des gens que seulement les 6 mois que tu as fait avec lui, la vision que tu as déposée en lui, il court avec ça même pendant 20 ans. Je suis restée où je me suis dit que si je mets la vision dans les gens, ça veut dire que je suis le moule. Je fabrique la vision. Je fabrique. Pourquoi dois-je souffrir par manque de vision? Je rends les gens riches. Ça veut dire que je fabrique l'argent. Voilà mon raisonnement. Hein. Moi, je suis dangereuse. I'm a dangerous woman. I am very dangerous. Tu m'humilies, je te regarde. Tu m'humilies, je te regarde. Je ris. Dis seulement que moi, la reine Jocelyne, la plus puissante femme que je connaisse, je suis la personne la plus puissante que je connaisse. Moi. Tu ne vas pas venir diluer ma croyance. Je rends les gens riches. Je sais ce que j'ai à faire. Amour où son point et j'ai toujours raison. Il n'y a pas de l'orgueil. C'est parce que je connais ce que je suis. Yes. I know who I am. Combien de fois les hommes m'ont laissé à terre? Une fois l'autre est sorti, on s'en va de la maison. Il m'a laissé avec un loyer à payer. 700 euros de loyer à payer, il a vidé la maison. Je lui avais montré comment on fait Airbnb. Je lui montre, il commence à louer les appartements, il ne me dit même pas. On a un problème comme ça là. Il dit en tout cas ma mère m'a dit qu'on ne dit pas tout à la femme. Il porte ses choses. Il avait loué l'appartement dans notre bloc. Donc il y a souvent les immeubles en France, ils font souvent ça. On fait ils ont un jardin arrière. Donc on fait comme ça là, 1, 2, 3. Donc on habitait sur le côté qui est ici, il est venu louer le côté qui est ici. Donc on habitait ici, il est venu louer l'appartement ici. Porter ces choses du côté où j'étais. Aller vider la maison. Il voulait porter le lit sur lequel je dormais. Il avait porté le canapé, porté le lit d'une des chambres. Il voulait porter pour l'autre. J'ai dit que jamais. J'ai quand même couché avec toi, non? Quand on était ensemble, j'ai quand même couché avec toi. Tu vas porter le lit sur lequel je dors, tu me laisses dormir au sol? Le gars part, il me laisse. Il reste comme ça. Il est parti le 6 ou le 7. On payait le loyer le 5. Donc, on avait un jour de retard dans le loyer. Je reste comme ça. Ma CAF était arrivée. CAF était 800 euros. J'ai payé ma dîme 80 euros. Ça, c'est l'été de 2018. Hein. J'ai payé ma dîme. Quand il payait ma dîme, le lendemain, il est parti. C'est la dîme là qu'il avait même chassé. À chaque fois qu'on avait les problèmes, c'est tout moi qui sortais de la maison en plein hiver. Il partait avec le 114. Je tourne, je dors dans les réfugiés. Dans les refuges là, après je reviens. Mon son est parti.
Vous ne likez pas, j'arrête aussi pour vous. Est-ce que moi, il ne blague pas moi? Likez ma vidéo. Moi, là, ma part est bizarre. Quand ça me prend... Je reste comme ça, là. Ma tête tourne un quart de tour dans la nuit. J'ai cherché une soeur à l'église. Tu dis que tu m'as eu. Tu viens t'amuser avec moi dans mon direct. Tu sais avec qui tu t'amuses. Tu me connais. Hein? Je cherche ton nom. On va te bloquer demain. Attends. Peut-être tu crois qu'elle m'amuse avec toi. Je suis en train de parler de choses qui vont aimer, qui vont aider la vie des gens. Un petit connard vient ici. Là, tu crois que j'ai. Aïe. Attends. Parfois, quand vos têtes perdent souvent l'air, là, ne venez pas faire ça dans mon chicken. J'ai noté ton nom. Te dérange pas. Je suis restée comme ça. Dans la nuit, j'ai réfléchi. J'ai porté mes choses. Je suis partie vivre chez ma copine. Sur son canapé. Je suis partie sur son canapé. J'ai passé 2 semaines là-bas. Avec l'argent que j'avais. Avec l'argent que j'avais, j'ai acheté la chaise, le canapé, sur le bon coin. J'ai acheté au canapé le lit là à combien? Je crois que ça devait être 75 euros, le transport 10 euros. J'ai acheté encore quoi? J'ai acheté un lit à 50 euros, 60 euros. J'ai donné 10 euros à quelqu'un qui l'a porté pour venir déposer l'appartement. J'ai acheté la table. Je ne sais pas s'il avait laissé la table. J'ai aménagé la maison là. Il me restait 700 euros. J'ai donné 350 euros au bailleur. Je vais demain me donner 2 semaines pour que je complète. Le reste des 350 euros que j'avais, j'ai réinvesti. J'ai acheté les choses pour mettre là-dedans. En 6 semaines, j'avais économisé 2000 euros. 2000 euros que j'avais mis de côté. En 6 semaines. Payer le loyer, payer les factures. Donc remettre tout l'argent qu'il fallait. En 6 semaines, j'avais mis 2000 euros de côté. Dans la journée, je sortais, je partais vendre mes croquettes, je vendais mes beignets. Je n'ai même pas fait 2 mois. J'ai créé des Gift Giving Academy ici-là. J'étais en France. Louer le local, aménager le local. Tout ça avec mon argent. Hein. Alors que quand j'étais. On ne me taquine pas. On ne me taquine pas. On ne me taquine pas. Je ne sais pas là où tu crois que tu es. On ne me taquine pas. Je ne suis pas taquinable. Il y a des gens ici là qui ont besoin de ce que je suis en train de donner. Ne te dérange pas, tu seras bloqué demain. J'ai un community manager. Il va te chercher quand tu vas arriver le matin. Il va arriver le matin. S'il te plaît, Stéphane, quand tu arrives le matin, bloque-moi cette personne-ci. Merci. Tu es libre de partir toi-même aussi. Moi, je vous connais. Quand vous voyez les Decepticons là, je vous connais. Je peux vous lire avec un mot. Voilà. Je peux vous lire à distance. Vous n'avez pas besoin de ce que j'enseigne. Je ne sais pas ce que vous faites sur ma page. Vous
Vous ne connaissez pas quand les choses sont importantes. Pourtant, quand on était ensemble, on a passé un an ensemble. On vivait ensemble. Chaque fois que tu as un projet, il arrive. Non. Tu sais, vraiment, pas besoin de... Ça fait 3 ans. Goût de luxe. Toi aussi, il va te bloquer. Attendez, écrivez, vous allez voir. Vous pensez que vous avez une homme, Dieu me calme. Je fais un nettoyage sur les gens qui me suivent. Je fais le nettoyage. Je suis en train de passer une autre dimension maintenant. Bloquer aussi goût de luxe ici, bloquer la personne aussi. Il faut aller faire ton direct, tu dis, tu te calmes là-bas toi-même, tu te dis de te calmer. Tu as compris, non? Voilà. Arrête de te boucher, je ne prends pas la merde des gens, je ne prends pas votre merde. Parce que comme j'ai envie de parler comme ça, il y a des femmes qui sont dans leur maison, l'esprit leur a dit que fais comme ça, et elles attendent ce que j'ai à dire. Donc vous n'avez pas besoin, vous là, vous n'avez pas besoin de ce que je suis en train de dire. Quand je me pointe ici, c'est ce que je viens faire. On parle de destinée des gens. Donc, si vous avez foutu votre destinée en l'air, quittez sur ma page. Jusqu'à une blague, même pas. Il y a des personnes qui vont dévaloriser tes idées. Il y a des personnes qui vont t'écraser à tout moment. Des personnes qui ne vont pas te laisser t'exprimer. Quand tu essayes, me disait l'autre jour qu'elle vient d'arriver dans un pays et elle a trouvé un boulot qui lui donne beaucoup d'heures, mais le boulot est loin. Les personnes qui l'ont accueilli là-bas lui disent que non, on n'a pas pu travailler là-bas. Il faut partir à ce qui est ici à côté. Elle dit, j'ai mes objectifs. Je me suis donné tel nombre de semaines. Je rembourse tout l'argent que j'ai prêté au pays avant de venir ici. Je loue ma maison. Je paye ma voiture pour pouvoir travailler. Les gens vont toujours... Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous voulez, les gens vont venir vouloir vous montrer ce qu'ils croient. Si je n'étais pas payé pour ton avis, je n'en ai pas besoin. Et apprenez à vous faire confiance. Faites confiance à ce que vous portez à l'intérieur de vous, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y en a même parmi vous, tu as commencé les vidéos. Quand tu me regardes souvent, ah, tu regardes quoi sur la femme là? Parce que tu sens encore que tu dois faire des vidéos pour parler aux gens. Tu as une histoire. Tu as une histoire que tu dois raconter. Tu as vécu des choses dans le pays où tu te trouves. Que si tu te mets là comme ça, tu parles sous la toile. Ce n'est pas tout le monde qui va venir montrer ses seins ici là en ligne. Parce qu'il y a des destinées, il y a des gens qui souffrent quelque part. Voilà son vrai visage, non? Voilà le vrai visage de la personne qui est sortie. Je vous connais trop. Je vous connais, je dis que... Vous voyez que vous parlez souvent, non? Je vous dis souvent ça, non? Là, tu n'as même pas duré 5 minutes. Voilà ton vrai visage. Voilà ton vrai visage. Tu étais ici, tu faisais comme si tu écoutais trop ce que j'ai dit. Vous les sorciers là, je vous connais bien. Je vous tape dans le spirituel. Je vous tape dans le physique. Je vous tape sur tous les points. Vous connaissez ça? À part te cacher derrière ton téléphone, tu n'as même pas de photo de profil. Les sorcières. Je vous connais. Mes followers, je dis que le nombre de sorciers que j'ai vu sur ma page ici. Les sorcières, je vous connais. Oh, mettez les bisous sur vous-même. Mon intuition ne me trompe jamais. Et sorcière Caraba.
m'irrite, je vous connais. Quand quelqu'un m'irrite, je vous connais. Les vieilles sorcières laides qui se cachent. Pourquoi tu n'as pas de photo de profil? Vous vous cachez comme ça, aigri. Après avoir sucé l'énergie des gens. Et j'ai parlé la fessière. Ne te dérange pas, hein. Assois-toi. Dans la salle où tu t'assois, il n'y a pas la clim. Tu as compris? Et une file d'attente. Va t'asseoir chez mes haters. Tu as compris? Va t'asseoir chez mes haters. Va t'asseoir. Voilà maintenant comment la personne change. Hey. Hey. La sorcellerie sur moi ici aujourd'hui. Voilà ce que j'appelle une sorcière. Voilà. Je vous connais trop. Ton esprit l'a entendu parler. Ton esprit l'a parlé. Ça se cache, ça sort souvent. Il y a un peu de serpent sur ça. Je vous connais très bien. Vous voyez, je suis ici, les pâles comme ça là. Je suis en mission, hein. Je suis en mission. Suceuse d'énergie là. Tu restes, tu as une idée. Quand la personne te fait. Donc en fait, on ne te donne pas d'espace pour t'exprimer. Et quand tu oses parler, c'est comme si la personne là seulement pour t'écraser. Et tu as l'impression que tu portes trop de choses. Il y a des relations dans lesquelles tu es. Hein? C'est comme si tu fanes. Donc, tu te regardes. J'ai une de mes filles qu'elle est... Aïe. On s'est vu. Elle a rompu avec son gars. On s'est vu. Je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Elle rentre. Elle fait ses choses. Son teint revient. L'autre jour, je pars à mon téléphone, je prends sa photo là, je lui envoie. Il dit que ça fait, voilà, te voilà, ça fait 3 semaines. Regarde comment tu étais. Regarde comment tu étais. Elle a dit, waouh. Que maman, je fanais, je mourais. Je mourais. Parce que tu es là, tu portes les plombs, tu as le fardeau de la personne sur ta tête. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Ce n'est pas tous les combats qu'on porte, mesdames. Ce n'est pas tous les combats. Ce n'est pas tous les combats. Parfois, tu sors avec quelqu'un comme ça, là. Que sa famille l'a même bloqué, sa famille le suce. Dès qu'on te voit, elle t'a dit d'acheter le terrain. Celui qui veut que tu mets le terrain à son nom, alors que tu le conseilles seulement. Alors que tu le conseilles seulement, hein. Que sa famille a mis son cerveau dans une bouteille quelque part. Quand tu arrives, tu deviens la personne à éliminer. Tu lui dis, mais papa, regarde-toi. Tu as 42 ans. Tu n'as pas encore un terrain. Tu as 42 ans. Tu as envoyé tous les enfants de tes soeurs en Europe. Tes propres enfants sont en Afrique. Est-ce que c'est normal, mon cher? Que ses soeurs sont en train de boire son cerveau depuis. Mamie, le combat là n'est pas pour toi. Ce n'est pas tous les hommes qu'on sauve. Souvent, tu arrives chez un homme comme ça là. C'est sa mère qui est assise sur sa tête. Sa propre mère. Et comme tu veux respecter alors. Oui, maman. Hey. Je ne sais même pas comment on doit appeler les belles-mères. Est-ce qu'on doit l'appeler BM? On doit appeler la belle-mère comment? BM. Parce que dis maman là. Elle va se prendre pour ta mère. Elle va se prendre pour ta mère. Hey, il y a les belles-mères qui m'écoutent. Je n'ai rien contre vous, oh, belles-mères, pardon. Je n'ai rien contre vous. Les belles-mères. Tu vas l'appeler mange à qui toujours. Elle dit que ta copine là, elle m'appelle pas mon prénom, pourquoi? Elle peut pas m'appeler maman. Le titre maman ne se donne pas à n'importe qui. Elle.
que ton gars là, elle a déjà appuyé le gars là, elle a déposé quelque part. Tout ça passe, quelqu'un a fait, il est debout, il a fait ce qu'elle veut. Les femmes, c'est là, vous prenez certains combats sur vous sans savoir. Tu entres dans une famille comme ça là, quand on a déjà encerclé le gars, on l'a encerclé. Tu fais les rêves où tu ne fais que le voir dans un trou qu'on est en train de l'amener. Et tu lui dis, donc voilà, tu commences les jeûnes et les prières sur lui. Oh, tu deviens maintenant la personne à battre dans la famille. Tu deviens la personne à battre dans la famille. Mince. Non, ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Il y a des gens que leur but, c'est de t'écraser. Leur but. Et quand ils te voient, ils connaissent ta puissance, hein, s'il te plaît. Ils connaissent ta puissance. Même si tu es une petite fille, que tu vis encore chez tes parents, tu es dans un petit quartier. Elsa, tu es en train de partir à qui? Tu es en train de parler à qui, non, mamie? Hein? Tu es en train de parler à qui, Elsa? Que j'espère que tu écoutes. Ouais. Oh là là. Ah. Que j'espère que tu écoutes. Ce que tu as parlé à ta soeur ou bien une personne quelque part comme ça, la personne n'a pas écouté. Non. C'est quelque chose qui est... c'est une bataille intérieure. C'est une bataille que tu ne peux même pas... Like, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Elsa, mamie, tu essaies, tu vas lui dire n'importe comment de sauver sa tête. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je te dis. Il y a des personnes que tu ne peux pas sauver. Tu fais n'importe comment. Je te dis. Il y a des belles-mères naïves. Je ne pense pas qu'il y a la naïveté chez une belle-mère. Je n'ai pas encore vu une belle-mère naïve. Ça a coûté des plumes blanches. Ça a coûté des plumes blanches. Je vous assure, des plumes blanches. Ton totem laisse des plumes. Eh bien oui, il y a beaucoup de mères qui contrôlent leur fils. C'est spirituel, hein, s'il te plaît. C'est vous qui pensez toujours que vous prenez toujours tout au petit degré. C'est vous, vous prenez toujours tout au petit degré. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Il y a des personnes ici dehors qui font la façon dont ces personnes sont contrôlés. C'est comme si parfois il y a un petit espace qui s'ouvre et cette personne te rencontre. Et c'est pas tout le monde qui est gentil avec toi, apparemment, qui l'est dans son cœur. La preuve, dans le direct, si on avait des personnes qui ont fait semblant, moi je vous connais d'ailleurs tellement, c'est pas aujourd'hui qu'ils commencent à faire les directs. Ils arrivent d'abord au départ, la jalousie. Il y a des belles mecs qui sont jalouses des femmes de leur fils. Pas un peu. Pas un peu.
L'âme du cœur, si tu comprends, tu vas apprendre. La jalousie dans la femme là, c'est le hélélé. Quelle voiture a quelque chose? Oui, achète ma panne. Oui, c'est ça que je veux. Et à. Ne blaguez pas. Pas tout le monde qui fait semblant de t'aimer qui t'aime. Pas tout le monde qui fait semblant de t'aimer qui t'aime. La vie de la chance. Wow, wow. À chacun sa chance. Il y a aussi les vieilles femmes rouillées là. Vous savez combien de femmes jalouses j'ai vues sur ma page? Combien? Une est venue une fois me voir. La jalousie dans son cœur, c'était un autre degré. C'était un autre level. Comment dire? Un autre banga. Tous les jours, elle était dans mon direct ici. Tous les jours, elle était dans mon direct. Hey, ma reine. Ma reine. Ma reine. Et quand j'ai vu son vrai visage, en fait, quand j'ai vu la personne physiquement, l'énergie était trop flagrante sur elle. Just too much. L'esprit était trop flagrant. Tu ne peux pas me déstabiliser. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Je suis unique. Tu ne peux pas me comparer avec quelqu'un. Ne t'essayez même pas. N'essayez pas. Tu viens, tu te compares à moi. Tu commences à me manquer de respect. On ne joue pas sur la même cour. Parce que l'affaire là, c'est avant la naissance. On nous appelle avant la naissance. On nous appelle avant la naissance. C'est pas parce qu'on voyait, on existe en suivant sur Facebook comme ça, sur TikTok, on est aussi là comme ça, vous croyez que... Non, il y a degré, il y a degré, il y a gens, il y a gens. Je dis toujours, c'est les vraies personnes qui vont se reconnaître et qui vont me reconnaître. Il y en a parmi vous, vous êtes des sorciers, vous ne savez même pas. Des sorciers de celles que tu connais, pas les bonnes sorcières, parce qu'il y a les bonnes sorcières, les fausses sorcières. Vous êtes des sorciers, tu connais. Oui. Et vous serez testé. Vous serez testé. Parce que moi, là, j'ai le don de faire sortir les gens qui sont dans vous, là. J'ai le don. Je vais venir te dire, je vais t'irriter. Ça va sortir comme ça. Tu vas dire que, hey, oui. Seigneur. Comment fait pour savoir qu'on est sorcier? Il y a une sorcière qui était dans le direct ici tout à l'heure. Tu l'as pas vue? Hein? Elle est d'abord venue déguisée. Comme tout le monde commentait, elle a commencé à commenter. Elle a commenté. Après, elle me demande d'arrêter de parler. Sa vraie sorcellerie est sortie. Elle a commencé à m'insulter.
Après la sorcière, l'esprit qui en est là, c'est tue. Elle a encore switch. C'est comme ça, ces esprits-là. Il y a une déception dans la personne. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être sincère. Tu peux être sincèrement décevant. Sincèrement décevant. Oui. Tu fais quelque chose à quelqu'un. Il m'a donné même un cadeau comme ça. Que tu te places au soleil. Elle se place. Elle m'avait fait un cadeau. Et je vous ai dit, quand vous voulez me faire un cadeau, ne vous attendez pas à ce que je grimpe, je fais la position lézard pour vous dire merci. Je ne fais pas la position lézard pour dire merci à quelqu'un. Le truc qui m'a fait ça tiquer dans mon oreille, elle me dit, le cadeau là, ça m'a coûté cher. Si tu ne veux pas, tu me dis, je vais... Moi, je devais faire quoi avec eux. C'est le début là qui m'a intéressé. J'ai dit, what? Attends, le but du cadeau de la femme, si c'était quoi? Tu m'offres quelque chose. Et tu me dis que si je ne veux pas... Voilà comment je détecte mes sorcières. Et ça n'a même pas fait 3 semaines. Latifa, peut-être toi tu es sorcière. Tu es caraba. Je vais te sortir de mon direct, Latifa. Ça n'a même pas fait 3 semaines. La personne m'a montré son vrai visage. Les gens ne savent pas que la connexion, c'est dans le cœur. Il y en a ici, votre cœur est tellement connecté à moi. Donc, chaque fois que vous voyez mon visage, même si il vient dans le direct, je reste comme ça là pendant 30 minutes. Je suis comme ça là. Comme ça. Après, je pars. Toi, tu auras reçu quelque chose. Parce que ton cœur est connecté. Il y en a parmi vous, quand même les arachides que vous me donnez. Ça me plaît jusqu'à... Vous ne pouvez pas savoir. Les arachides. Je suis restée comme ça, je dis que mais attends un peu, la femme là me prend pour qui? Tu as vu un de mes directs, je ressemble à une femme qui souffre. Hein? Ou tu as d'accord, tu crois que ça c'est le plus grand des cadeaux que j'ai reçu? J'ai reçu des cadeaux, hein? Et c'est parce que voilà mes choses qu'elle porte, voilà ça. C'est pour ça que vous me donnez plus souvent les chocolats et les vins. Le parfum aussi souvent. Parce que vous savez que vraiment, si c'est question d'habit, tu vas me donner quel genre d'habit qu'elle veut porter. Voilà encore notre sorcier. Tu as la sorcellerie dans le ventre, tu nous dis. Parce qu'ils sont pleins ici dehors. Et il y a des personnes que leur objectif dans ta vie, leur objectif dans ta vie. J'ai des enfants, j'ai des gens qui m'ont amené le sucre de 700. Ça m'a touché. Le sucre. Une autre personne arrive, surtout ceux qui viennent de Mégla. Le but de ces personnes-là, c'est parfois de t'humilier. Parfois, leur but, c'est de faire comme. C'est de te mettre en dessous et ils sont au-dessus. Oui. Leur but, c'est de venir donc te rabaisser. Ils ne savent pas que.
des personnes ici là que vous avez rassemblé l'assurance de 10 vies. Hein? Donc même si tout le monde autour de toi te lâche, hein? Tu es toujours debout. Parfois tu ne sais même pas d'où ta force sort. Tu ne sais pas d'où ça sort. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que voilà ce que je fais, après il me lève. Non. C'est quelque chose qui est, c'est à l'intérieur, donc c'est dans ton âme. Still I rise. Vous connaissez le poème de Maya Angelou, non? Maya Angelou. Elle dit, est-ce que c'est de ma faute si je marche comme si j'ai des diamants sur mes reins? Oh. Et puis je me relève encore. Still I rise. Il y en a ici là qu'on ne peut pas vous mettre à terre. Et c'est ça qui énerve les gens. C'est ça qui énerve les gens. Tu penses que tu es qui? Hmm? Tu penses que tu es qui? Ah, je suis personne. I am no one. Like, je suis moi. Tu arrives quelque part, c'est le ministre qui dit, viens t'asseoir à côté de moi. C'est ton énergie, ma chérie. Tu ne parles pas beaucoup. Et tu es au milieu entre l'arrogance, l'orgueil et la confiance en soi. Tu connais trop qui tu es. Peut-être que tu te couches. Je ne suis pas la reine galloise, Liliane Tchana. Vous allez dans le direct de la reine galloise, pardon. Tu as compris, Liliane? Donc, quand ces personnes atterrissent quelque part, tu sais que ça va arriver. Tu n'es pas... Tu es posé. C'est comme ça que tu attires alors les grands hommes. Ce sont eux qui viennent te draguer. Pourquoi tu crois que les grands types te draguent tout le temps? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur toi. Et il y a des sorcières qui savent lire l'énergie des gens. Oui. Toi-même, tu ne connais pas. Toi-même, tu ne connais pas, hein, ce que tu portes. Hein? Mais la personne a déjà vu. On t'a déjà dit que tu es insolente. Que la petite fille, là, un jour, il y a une dame qui m'a mis en cellule pour 2 jours. J'étais dans un deal avec elle. Et son porte-parole qui portait plainte à son nom, il dit, on va te montrer, tu es trop insolente. Insolente comment? How? Parce que tu sais trop là où tu vas. C'est ça qui les dérange. Tu sais trop là où tu vas. Tu sais trop ce que tu veux. C'est ça qui les touche le cœur. Il faut qu'ils fassent tout pour te décourager. La confiance qui est en toi, ce n'est pas eux qui ont mis. Ton appel, ce ne sont pas eux qui t'ont appelé. Donc quand vous laissez les gens prendre votre pouvoir, oh, elle m'a dit que je ne peux pas. La vision que tu as eue avant que tu commences le salon là, c'est elle qui t'a donné la vision là. Le jour où tu as trouvé le local, tu savais que c'était un miracle, non? Le jour où j'ai trouvé mon terrain de Makepe, quand j'ai trouvé ça, ça ne ressemblait à rien. Comment j'étais contente. Et Seigneur, il fait même le témoignage. Seigneur, merci. Seigneur. Parfois, tu oublies même ce que tu as ressenti quand Dieu t'a donné ce que tu as là. Ne simplifie pas. Dieu te met dans un processus. Tu es dans un processus progressif.
Et parfois, Dieu te solidifie dans le noir. Tu passes 8 ans de galère. Tu prends 4 maisons. Je vous ai dit que en 2 ans, j'ai déménagé 9 fois à Douala. En 2 ans. Avant de tomber sur ma maison. 9. Merci mon valeureux community manager. Il a déjà bloqué les gens là. Il vient de me confirmer qu'ils ont été bloqués. Merci beaucoup. Voilà. Tu es valable. Marianne, ne te dérange même pas. Liliane Chana me suit depuis un bout. Elle me connaît bien. Il faut laisser ça. Si c'est les Decepticons qui se pointent ce soir, je vais bien vous bloquer. Tu fais 8 ans, tu souffres. En 2 ans, Dieu t'ouvre les portes. Tac, 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 tac. Tu dis que ah. Ce que tu devais avoir la première année qui a échoué. Deuxième année. Troisième année. Quatrième année. Cinquième année. Sixième année. Septième année. Huitième année. La 10e année là. Il porte tout ce qu'il te donne en 6 mois. Dieu n'oublie rien. Hein. Quand il vous parle de Dieu, même si il y avait 2 personnes qui m'écoutaient, je vous dis toujours que quand j'ai commencé mes vidéos, ça fait 5 ans. Je disais la même chose aussi. Parfois, il y avait 50 personnes qui me regardaient. Donc, je fais ma vidéo. Après 2 mois, j'ai 50 vues. Ça ne me dérangeait pas. Parce que moi-même, ça me plaît. Ce que j'ai dit me plaît. Ah, au point, ça a le goût. Oui. Ça a le goût. Ça dose dans mon corps. Ça me plaît. Oui. Ça a le goût. Quand tu mets la mayonnaise sur ça comme ça, tu tournes, tu manges. C'est ça que ça me fait. Arriver à un niveau où tu peux arriver à un niveau où tu fais confiance en Dieu totalement. Tu dois avoir la vérité dans ton cœur. Tu dois avoir la vérité dans ton cœur. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui protège. Tu sais combien de fois on a essayé de t'attaquer dans les 3 dernières semaines? Tu sais combien d'attaques tu as survécu dans la nuit? Ah. C'est que le jour où tu vas vouloir mourir, là, vers la fin de ta vie, quand Dieu va te montrer les attaques, les gens qu'on a envoyés en habit noir pour venir te prendre, ça n'a pas donné. Parce qu'il s'est interposé. Tu vas seulement dire, thank you God. Thank you Father. Thank you Father. Je ne veux plus me plaindre. I'm sorry God. Les sectaires qui sont venus te chercher ne t'ont pas vu. Oui. Les qualités de secte, les cantants sectes qui t'ont cherché ne t'ont pas vu. Tu sors avec un gars qui est dans une loge. Tu ne sais pas. Il essaie de te prendre. Ça ne donne pas. Liliane Chana, moi, je vais te bloquer. Tu ne me suis pas depuis. Je ne pense pas que tu es habitué à ma page. Hein? Depuis, tu fais que tu dis que Reine Jocelyne, c'est quoi? C'est le soir des Decepticons aujourd'hui.
Les choisis, vous êtes comme des sous-marins, comme des agents secrets. Vous opérez en sous-marin. Oui. Vous êtes des agents secrets. Les gens ont passé un sale quart d'heure à cause de vous. Un sale quart d'heure. À cause de toi. Tu arrives dans une famille, tu sèmes la panique. Tu détruis leur projet sur leurs petits-enfants. Vous avez vendu toute la progéniture. Tu arrives et tu saccages ça. Avec deux prières. Dans tes prières, tu dis, Seigneur, je viens bénir toute la famille de Marc. Comme tu as ta petite prière là. Ta petite prière là. Tu as saccagé le plan. Maintenant, c'est toi qu'on veut abattre. Depuis qu'elle est arrivée dans ta vie, hein, tu n'es plus concentré. Depuis qu'il faut que tu te sépares d'elle, ils ont leur agenda. Le marabout leur a dit. Si vous savez le nombre de marabouts qui parlent de vous. Moi, Dieu parle de mes choses un peu comme ça là. Le nombre de marabouts qui parlent de vous. Quand elle part, elle demande. Elle dit que non, il faut qu'il se sépare de la fille là. Je n'arrive plus à le contrôler. La période où on sort de chez le marabout, on lui donne un truc comme ça là. Votre relation est secouée. Ton énergie, c'est ça le carburant pour le protéger. Tout ce que moi je veux, c'est que vous commencez à protéger votre énergie, pardon. Vous prenez trop de balles, trop de balles perdues. Et c'est ça. Quand ils essayent, ça ne donne pas. Ils te détestent. Il faut apprendre à reconnaître leurs flèches. Une m'a dit que sa belle-sœur lui a fait ça. Gâter son foyer. La même belle-sœur vient la voir. Que pose mes ongles. Je dis que, mais vous prenez le cœur de ça. Latifa, je t'en prie, sors de mon direct. Tu as compris. Ce que je suis en train de te donner comme enseignement, c'est pour protéger ton énergie. Vous aimez les astuces. Il faut aller sur les pages des astuces de grand-mère. Tu peux là-bas prendre les astuces. Moi, c'est mon énergie. Je vous parle d'énergie en énergie. D'esprit à esprit. Voilà. Tu restes comme ça.
Mais, belle sœur, tu prends le courage où? Tu allais monter mon mari contre moi. Tu nous gâtes. Après, tu reviens me voir. Tu me demandes de te faire une beauté. Hein? Waouh, les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. Quelqu'un te tue, après, il vient lui au deuil. Ceux qui avaient choisi, c'est que les choisis construisent leurs choses en cachette. Parce que si on t'avait exposé tôt, si les gens-là savaient tôt qui tu étais, ça aurait pas été bien pour toi. Ce sera ma dernière dose avant de partir. Si on t'avait dit qui tu es très tôt, si ta mère avait cru qu'on lui avait parlé quand tu étais petit et qu'elle t'avait vite exposé, heureusement que ta mère était simpletonne. Si ta mère avait vite cru et elle t'avait exposé, tu serais plus vivant. Il était nécessaire qu'on te cache. Que tu sois en plein devant les gens, mais que tu sois en même temps caché. Beaucoup d'entre vous, avant d'apprendre à fermer vos bouches, vous ne saviez pas contrôler ce que vous dites aux gens. Ce qui fait qu'il y a des choses que eux, ils ne pouvaient pas vous révéler. Certains d'entre vous, vous sortiez même avec des hommes sorciers. Si on te disait qui tu es et quel pouvoir tu as, tu serais allé dire à l'homme. Donc, il fallait qu'on te conserve. 2024, c'est qui arrive. Tu vas retrouver une autre dimension de toi. Il y a des pouvoirs que tu vas découvrir tout le temps et beaucoup dans les rêves. Les rêves, ce n'est pas par hasard. Je vous ai tout dit qu'il y en a parmi vous, que vous oubliez vos rêves, ce n'est pas par hasard. Parce qu'ils savent volontairement, on te fait oublier tes rêves. On sait que si tu vas te réveiller, tu vas raconter tout. Vous passez le temps ici sur TikTok à raconter vos rêves. Il y en a ici là que vous avez été caché pour un bon moment opportun qui arrive.
Pendant ce moment, tu seras emmené le plus souvent à être seul. Deuxièmement, tu ne vas pas trop sortir. Troisièmement, tu vas beaucoup dormir. Tu seras comme en hibernation. Tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges. Le contact physique te suce l'énergie en fait. Et on a besoin de cette énergie pour pouvoir, pour tes voyages la nuit. Ceux qui comprennent, comprennent. You need energy. Pour ça, souvent, quand tu te réveilles, tu es fatigué. Tu viens te réveiller, mais tu es fatigué. Et 2024, surtout la première partie au moment de janvier et février, beaucoup d'entre vous, vous allez faire beaucoup de combats. C'est la fin. Donc, c'est, on dit que c'est la fin des combats des gens. Là-bas, vous partez délivrer la princesse. Vous partez récupérer le trésor. Donc, ça que dans l'autre partie, ce sera l'argent. Tu vas faire un petit truc, ça va venir. Tu vas faire un petit truc, ça va venir. Tu vas faire un petit effort, l'argent vient. Un petit effort. Tu crois peut-être que tu as épuisé toutes tes idées d'argent. Tu n'as même pas commencé. Beaucoup d'entre vous, vos pouvoirs, les vrais pouvoirs que tu as, c'est maintenant que tu vas les découvrir. Tu ne savais pas que tu peux déposer ta main sur les gens et qu'ils guérissent. Tu ne savais pas que, comme Jésus dit qu'il dit qu'il va pêcher là-bas, pêche, tu retires ça, tu paies les taxes avec. Tu veux être bloqué, je ne me rappelle pas de mes rêves, j'en ai rien à foutre moi. Je suis la femme qui s'en fout du fait que tu m'en fous de tes problèmes. Tu as compris non? Je me pointe ici pour te dire ce que j'ai dit. Je m'en fous de tes problèmes. Si tu veux te rappeler tes rêves, consultation des rêves, c'est un service. Voilà. Tu veux te plaindre pour tes, tous tes problèmes, je m'en fous. Donc tu auras une cap, tu vas retrouver une capacité à. Tu te réveilles et tu te rappelles de tout ce qu'on t'a dit. Parfois, vous essayez de vous rappeler mentalement alors que c'est plutôt l'oreille que vous devez. Quand tu te réveilles là, qu'est-ce qu'on te dit? Parfois, on te réveille, tu essaies de te rappeler qu'est-ce qu'on est en train de te dire quand tu te réveilles là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? Arrêtez de fonctionner comme tout le monde. Comme tu as vu en ligne, tout le monde dit se rappeler de ses rêves, se rappeler de ses rêves. Peut-être que tes guides ne fonctionnent pas avec toi sur la base des rêves visuels, mais c'est plutôt ton audition. Tu vas te rendre compte que tu as les. Tu arrives quelque part, tu rencontres quelqu'un. Pam, 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 pam. Petit truc comme ça, là, tac, l'argent tombe. Tu vas toucher ton premier million comme ça cette année. Il y en a parmi vous, quand vous avez mis des malédictions, que tu ne peux jamais avoir un million dans ta main en une fois. On te donne peut-être 500 000. En 3-4 mois, tu vois que tu as eu un million. Mais tu n'as jamais un million dans ta main en une fois. Donc, certains d'entre vous avez passé ce cap-là. D'autres personnes, vous avez passé le cap de 50 millions. Ta conscience d'argent sera toujours dans les 50 millions en montant. L'accélération financière aussi arrive. Parce qu'il y a des combats que vous avez menés et qui sont déjà terminés et que vous avez vaincus qui vont vous faire passer dans une dimension qui sera la norme pour vous. Celui qui a entendu, a entendu. Que celui qui a les oreilles entende. Tchara, tara. Quand les Anglais parlaient, après ils disent tara. Tu ne savais pas qui tu es. Tu ne savais pas qui tu es. Il y a des choses de moi qu'on m'a dites. J'ai eu peur. Parce que quelque chose en moi savait que c'est vrai. Quelque chose savait. Mais j'ai toujours su que je suis comme ça. J'ai toujours su.